Bonjour. Hello. So I will directly speak in English because I think that we have guests, very important guests. So on behalf of NSAPC, École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, we are really pleased to welcome you here at the school in the framework of the Festival Art et Humanité, which is organized by the theater, Point Commun, and of which we are pleased to be part. Today we welcome you for the conference on Fragments de vie, vie en fragments dans la société iranienne contemporaine. And we are really pleased to welcome the author of this piece, which we could see yesterday and which is like the departure of the conference. Also pleased to welcome researchers from Lyon 2 and Université de Paris, and of course Anne and the colleagues from Université Cergy, CY University. So this cycle of debates is also an opportunity for students from the Master of CY and students from NSAPC to meet. So I will. Bonjour à nouveau. Donc on continue donc avec cette deuxième séance Art et Humanité, ce deuxième séminaire qui va nous permettre de nous continuer de s'ouvrir sur d'autres territoires, puisqu'on a été au Congo hier, donc on va partir plutôt en Iran aujourd'hui avec nos trois invités. Je vais les présenter très rapidement, mais après chacune d'elles aura le temps. Maybe I'll say it in English, just at least for the introduction, and then we'll speak in French. So we'll speak now in English, and then in French with the translation. I will present very shortly our three people invited, and then we will have each of them will be able to talk and explain the artist, Azadeh will explain what she's done and about the performance we saw yesterday. And then the two researchers will talk about Iran and how this performance we saw yesterday fits into the research they are conducting. And then we will have a short break at around 3:30. And then we will have much more time to have all the questions concerning the performance and also questions to the two researchers we have here. So we're going to speak, everyone will speak not their own language, Azadeh will speak in English. I think Benaz and Azadeh will speak in French, and we have a translation. So whoever talks should talk slowly for the translator, and we will have to make it short for it to be able to make it fluid. Okay? So, do you want to come with me? On est ravis de vous recevoir toutes les trois. Enfin, je dis toutes les trois, tous les quatre, tous les. Oui, on a trois invités, toutes les trois. Voilà. Donc, Azadeh Shamiri, qui est donc l'artiste qui vient d'Iran et qui nous expliquera son parcours, son travail à la fois universitaire, puisqu'elle a fait aussi une thèse sur l'art, et son travail d'artiste. Et puis, donc, il nous racontera plus en détail son parcours et la pièce qui vous a été présentée hier, donc sur lequel on aura l'occasion de discuter après. Et puis ensuite, parce qu'on va essayer de faire ça de manière assez vivante, si on peut. Il va y avoir nos deux invités chercheurs qui ont bien voulu accepter cette invitation pour échanger avec nous et nous éclairer sur le monde et les enjeux de la vie en Iran. Donc Azadeh Kian, qui est donc professeure de sociologie, directrice du laboratoire CEDREF, le Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. De nombreux travaux de recherche, je ne vais pas tous les citer, donc travaille autour de la question des questions
du genre, sur les nouvelles formes d'action politique en Iran, sur là aussi le genre et l'islam, et plus globalement donc ces questions-là au Moyen-Orient et en Iran. Et puis Behnaz Khosravi, qui est donc au milieu, voilà, qui est aussi sociologue, chercheur en postdoctorat à l'INED, au centre Max Weber, et qui a fait une thèse sur la pluralité des formes culturelles légitimes en Iran, la distinction en question. Et donc là aussi, vous nous préciserez un petit peu votre parcours et la manière dont ça résonne avec les travaux de le spectacle d'Azadeh. Voilà, je ne veux pas être très très longue sur la présentation, puisque vous reviendrez sur votre parcours et pour qu'on comprenne un peu d'où vous venez. Hello everyone, it's a pleasure to be here. I can start with my background in theater, just quickly saying that I studied theater in Tehran. Elle va commencer plutôt par parler avec son parcours au théâtre plutôt qu'à à l'université. In Tehran universities, theater is divided to different majors, and the major that I did my bachelor and master was a dramatic literature. Or theater studies, I think it is more known internationally as theater studies. We had a lot of theoretical courses and history, critics, and a lot of writings. Okay, oui, donc comme vous avez compris, là, il y a la faculté d'art dramatique à Téhéran, c'est plutôt divisé en deux parties différentes. La partie qu'elle a suivie, Azad, c'était plutôt ouais, ça s'appelait Theater Studies, le côté théorique, aussi l'écriture dramatique, ce genre de choses. I did my PhD in art research. There is a field called art research, which is very exclusive somehow. But I tried to manage doing the PhD because I didn't want to leave it, but yeah, it was a hard time for me doing PhD in Tehran, but I think it was at the same time very useful and nourishing. Ah, ok. Ouais, donc j'imagine vous savez qu'est-ce que c'est un PhD, c'est un doctorat. Et elle a fait un doctorat en art research. Recherche artistique. Et c'est une époque dure pour elle, qu'elle va peut-être nous raconter pourquoi c'était dur, mais en tout cas, c'était important pour elle de le faire. Parallel with the studying, doing the PhD, I sometimes lectured at university, and it was also for me a kind of turning point to start communicating with the new generation. Ah oui, donc en parallèle avec ses études, elle enseignait aussi, elle donnait des cours à la fac, et c'était important pour elle c'est une manière de s'intégrer ou d'aborder des thèmes avec la jeunesse iranienne. Yes, and at the same time, parallel with my education in theater and more focused on theory, I was always involved with the practice of theater and what we practically do on a stage in a space. And I found a way to have both together in my work, and start that happened in a lecture performance for one of my first pieces. I found this a form, if we can say subgenre, a point that my interest in theory and research especially, and also in performing arts, meet each other. And more recently, I work in not in solo pieces,
that much, but in the end of the 2021, I also did a solo, which was premiered in Berlin after a long time. And this piece, Quasi, that I hope that you saw last night and it resonates with you, was created during the pandemic, during the lockdown, the first phase of lockdown in the beginning of 2020. I had the idea of working on a text, on a piece that involves the questions of unfinishedness or incompleteness, at the same time alternate realities. I was thinking about this concept at that time and how we can make something out of the segments of incomplete or incomplete works, somehow recycling works or upcycling the unfinished works. And I found the raw materials of the documentary film that Hamid Jaafari, my friend who is a documentary filmmaker, recorded 20 years ago and just left it because of the reasons, that many reasons, I don't know exactly why. I tried with the help of the team, actually, the performers, dramaturge, and the designers, all together, we tried to find a narrative or meta-narrative to bring these pieces together. Oui, j'allais. En revenant, quelque chose de, comme je parlais de ces deux parties dans ces études, les deux différentes parties entre la théorie et la pratique, ça a donné l'occasion à Z de trouver une forme qui lui convenait, et c'était celui d'une performance lecture. Donc, il utilise les deux, c'est-à-dire une forme théâtrale, mais aussi le côté cours magistral. En 2021, il a fait sa première pièce, qui était dans une seule en scène à Berlin. Et elle a commencé à travailler sur Quasi en 2020, tout au début de la pandémie. Et les deux thèmes qui l'intéressaient dans Quasi, c'était cette idée des choses non finies ou unfinishedness, et après ça les alternative realities. Et ce qui l'intéressait, c'était comment recycler ces morceaux qui sont décousus et qui n'ont pas été finis. Et comme vous avez entendu, l'inspiration pour Quasi, c'était le documentaire d'un ami à elle qui s'appelle Hamid Jaafari, et qui a mis pendant 20 ans, il a fait son documentaire et il n'a pas fini. Azad n'a pas pu savoir pourquoi il n'a pas fini. On s'est arrêté là. I think there is a point. There are some points that maybe you it helps to see the work in different ways. For example, I was very keen on or interested in the processual or process-based works, and I think I tried to somehow apply it in this project without talking about it in the rehearsal time. I put myself in a process of writing, and I think I need the long time to, almost long time to somehow to be part of this dimension that this work created. I don't know if I'm clear, but for me this was
Like I'm talking about time and place, and also body in this work. And I try to put myself and ask performers to somehow experience this sort of a being in time, feeling their bodies and to live with their bodies or to look at their bodies in different way. And also thinking about the how the place and the space make us or develop us or create. Ok, oui, donc elle a repris son intervention en parlant de son intérêt dans les, c'est des, ouais, en anglais, process-based work, c'est-à-dire que, elle explique ce que ça veut dire pour AZ, c'est important pour elle, elle toute seule, de mettre en place ou d'investiguer un processus propre à elle pour qu'elle puisse commencer à travailler sur la pièce. Et elle ne voulait pas faire ça pendant les répétitions. C'était important pour elle d'avoir ce processus en tête. Et le processus, ça lui permettait d'explorer les trois thèmes qui étaient le temps, l'espace et le corps. Et elle les a investigués pour elle-même. Et ensuite, elle a demandé à ses interprètes, ses comédiens d'essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est le temps, l'espace et le corps pour quelqu'un d'autre que eux. Yes, I wanted also to say that I was at that time very involved and engaged with the relationship between human and non-human, and I think it is obvious in the piece. I read Bruno Latour and Boyan Manchev, for instance, and I remember that I was very, very much interested in somehow creating a relationship between human and non-human, and how we can create and how we can materialize in a way this relationship in theater. Mm. Ok, ouais, donc comme vous avez entendu, elle s'intéressait beaucoup à ce lien entre l'humain et le non-humain. Et elle avait évoqué le nom des travaux de deux chercheurs. Donc là, elle a cité les noms des deux influences, je ne sais pas, majeures, mais en tout cas, elle s'intéressait dans les travaux de ces deux personnes. Et elle cherchait à comment matérialiser sur un plateau de théâtre ce rapport entre l'humain et le non-humain. Merci. Ouais, je vais reparler en français. Donc merci. Donc là, vous avez une présentation des inspirations et du processus artistique d'Azadeh pour réaliser son film, qui est basé sur pas mal de très très conceptuel, hein, mais qui aussi reflète par les conversations qu'on avait eues avant, hein, donc qui reflète de manière un peu fragmentée des réalités de la vie en Iran. Donc, comme vous savez, en Iran, on ne peut pas tout dire. Il y a un certain nombre de personnes qui sont emprisonnées pour s'être exprimées. Donc, pour pouvoir exprimer des sentiments, exprimer une forme de résistance, il faut le faire de manière par petites touches, hein, de manière artistique, de manière fragmentée, suggérer un certain nombre de choses. Je pense que pour que vous puissiez avoir une recontextualiser finalement cette pièce, on va donner la parole à Azadeh Khan qui va pouvoir nous expliquer un petit peu et essayer de comprendre finalement cette pièce et ce que comment on doit comprendre cette pièce et tout ce qui est dit et non dit dans la pièce.
Bonjour tout le monde, ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Avant de parler de l'Iran, très rapidement, moi j'ai pas eu l'occasion d'être ici hier soir, donc j'ai pas vu la pièce, mais Azadeh m'a envoyé, donc nous a envoyé son texte, 19 pages de texte que j'ai pu lire ce matin dans le RER, donc rapidement. Mais j'ai cru trouver un certain nombre de thématiques et aussi auteurs auxquels se réfère Azadeh dans son travail qui me sont très chers. Donc du coup, sans avoir vu la performance, je me suis dit mais on partage à la fois au plan théorique, épistémologique, etc., pas mal de choses, malgré les quelques décennies qui nous séparent, parce que je suis beaucoup plus âgée qu'elle, bien évidemment. Même si on partage le même prénom, Azadeh, ça veut dire femme libre. Donc voilà, sachez que quand on est fier de ce prénom. Par exemple, Azadeh parle dans son texte de Goffman, Irving Goffman, et aussi de Stuart Hall, qui sont vraiment mes deux hommes préférés, j'allais dire, enfin deux des auteurs très préférés, Stuart Hall. Qui est un auteur très important postcolonial, et Irving Goffman qui a beaucoup aussi réfléchi et travaillé sur les questions de présentation et de surtout de performance, et qui a aussi, comme vous le savez peut-être, beaucoup aussi inspiré Judith Butler à mon avis. Bref, les thématiques qu'elle aborde, prison, liberté, dans ce que vous avez pu voir, la question de fragmentation, de transgression, de mutabilité de sujet. Là encore, je fais allusion aux travaux de Bright Doty, par exemple. La question de présentation, représentation ou trait d'union, présentation. Donc tout ça, bien évidemment, il y a tout un tas de théorisations derrière. Mais également, ce qu'elle vient de nous expliquer, c'est la question de processus. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre à travers les textes, c'est la question de devenir. C'est un processus, c'est tout le temps en train de devenir. Donc, à partir de là, on peut effectivement situer donc l'artiste qui est Azadeh et son travail, qui se situe effectivement dans ce processus, ce qui m'a fait penser, bien évidemment, entre autres, à des grands auteurs français et philosophes comme Foucault ou comme Deleuze, n'est-ce pas? Donc, pour vous dire, alors la question de temps, d'espace, tout ça, bien évidemment, Elisabeth en a parlé. Et aussi, je termine là par la question qu'elle a abordée rapidement, c'est-à-dire la relation humain-non-humain, qui est très, très important. Et je pense qu'un certain nombre d'auteurs et d'autrices féministes ou de genre ont aussi beaucoup apporté à ce questionnement. Voilà ce que j'ai pu partager à travers ton texte, Azadeh, avec toi. Maintenant, question le pays. L'une des questions qui est posée dans le texte, en tout cas, c'est la question de prison, de l'emprisonnement. Alors, c'est à la fois la prison, la réelle, et puis quand on est emprisonné, etc. Bon, comme ça a été dit, malheureusement, le pays compte aujourd'hui plus d'un millier de prisonniers politiques, dont plusieurs dizaines de femmes prisonnières politiques. Hein, on n'entend pas souvent parler d'elles, mais il y a des figures un peu plus connues comme Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate féministe. Il y en a d'autres qui sont moins connues, comme par exemple des activistes de mouvements ouvrières qui sont aussi emprisonnées. Donc la question de prison, la question de les tensions qui traversent la société iranienne devenue moderne dans son ensemble. Il faut savoir que l'Iran a aujourd'hui 83 millions d'habitants. C'est un grand pays, hein, trois fois la taille
de la France. C'est une population très bien alphabétisée, puisque près de 96% des jeunes sont alphabétisés. Le nombre des filles est très important dans les universités iraniennes. Il y a plus de 4 millions d'étudiants, dont 60 et quelques pourcents d'étudiantes. Des étudiantes qui sont aussi très nombreuses en médecine, en sciences, et pas seulement en sciences humaines et sociales, comme c'est le cas en France, par exemple. Alors, tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches de terrain en Iran pendant 15 ans. Et donc, j'ai pu voir beaucoup de villages aussi iraniens, pas seulement les grandes villes, pas seulement les quartiers huppés, mais aussi beaucoup de villages, des provinces très pauvres. Or, justement, dans les villages, il y a toujours des écoles. Donc, les enfants villageois vont à l'école. Mais il y a aussi la question de pauvreté qui est maintenant de plus en plus importante, notamment à partir de 2018, il y a des sanctions américaines qui ont été imposées. À cela s'ajoute la corruption de l'élite au pouvoir. Ensemble, c'est un pays très, très riche, mais qui est très pauvre aussi. C'est-à-dire que les chiffres officiels aujourd'hui indiquent que 43% de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est officiel. Après, ça dépend des provinces. Il y a des provinces qui sont beaucoup plus pauvres, d'autres moins pauvres. I think coming from Iran, she knows what I'm talking about. Poverty, badbakhti, bichadegi. En même temps, c'est une société, donc je disais, qui est en contradiction flagrante avec l'élite religieuse politique au pouvoir. C'est-à-dire que, et ça, ce sont des tensions de plus en plus importantes qu'on voit. Alors, on a été aussi, ces dernières années, témoins de nombreux mouvements sociaux. En 2009, le mouvement vert, par exemple. Ces mouvements sociaux ont pour acteurs et actrices principaux des jeunes, puisque la population iranienne est relativement jeune par rapport, par exemple, à la population française, puisque 70% de sa population a moins de 40 ans. Mais on a vu aussi récemment, 2018 et même 2019, des émeutes dans beaucoup, beaucoup de villes iraniennes. Là encore, des émeutes qui avaient à la fois pour revendications économiques et aussi politiques, l'Iran est le premier pays au monde où, moyennant une révolution, l'islam politique est arrivé au pouvoir. Et bien évidemment, lorsque l'islam politique ou l'islamisme arrive au pouvoir, ce sont surtout des femmes qui sont les premières victimes de l'islam politique, des institutions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le premier changement qui a été introduit après la révolution en Iran, c'est-à-dire un mois après la révolution, moi j'y étais, l'imposition du port du voile et les régressions concernant les droits des femmes et le droit familial. Première manifestation des femmes à cette époque-là déjà, c'est-à-dire un mois après la victoire de la révolution, et c'était des femmes qui avaient elles-mêmes participé à la révolution, c'est-à-dire les femmes de ma génération par exemple souvent. On a été bien battus, bien frappés, bien malmenés par des forces de coercition, etc. Et à partir de là, c'est un régime qui s'est installé, mais qui a toujours, depuis les 44 dernières années, été, avait en face de lui des gens, des sociétés, une société, des jeunes, des femmes et aussi des hommes parfois qui le protestent, qui le contestent. Voilà, donc c'est une société en évolution c'est important qu'on le sache parce que dans les médias français et aussi en général, quand on parle de l'Iran, c'est toujours autour de la question du nucléaire. L'influence de l'Iran dans la région, ce qui est vrai, le régime islamique a beaucoup d'influence dans l'influence néfaste, influence nuisible, certes.
en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au sein de cette société. Alors, par exemple, Azadeh est un exemple par excellence donc de cette jeunesse iranienne en Iran qui produisent, hein, qui fabriquent, qui produisent, qui contestent, qui résistent. Qui résistent à travers leur écrit, à travers leur art, à travers aussi des contestations politiques, mais également à travers ce que j'appellerais une résistance subtile, parce que cette résistance n'est pas nécessairement et toujours en prenant, enfin en venant dans la rue et en manifestant. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voudriez, Elisabeth, de quoi voulez-vous que je parle, parce que je peux vous parler jusqu'à demain matin, hein, s'il le faut. Je passe donc la parole pour l'instant à ma collègue Benaz, et puis je suis là pour vous répondre aussi. Merci. Merci beaucoup. Non, je pense que c'était bien de recontextualiser, de vous rappeler en effet la réalité du pays et un certain nombre de données, même chiffrées, hein, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Merci. Bien, je reviendrai vous poser d'autres questions, évidemment, après. On va passer la parole à Benaz, qui a eu la chance, elle, de pouvoir nous rejoindre hier soir et qui a pu voir la pièce, et qui va pouvoir, donc, du coup, pas faire une analyse de texte ou une analyse de la pièce, mais qui va pouvoir en parler et puis faire les liens avec ses propres travaux. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très contente d'être parmi vous. Mon parcours. D'accord. Déjà, merci pour de l'équipe iranienne qui sont venues et ont partagé leur art avec nous. J'avais eu la chance hier soir d'être parmi vous pour regarder cette pièce. Et on m'a demandé de vous expliquer un petit peu mon parcours. En fait, j'ai commencé mes études en Iran et jusqu'à master. J'ai fait un master de sociologie là-bas et je suis venue en France pour faire ma thèse de doctorat en 2009. Et ensuite, voilà, je suis en post-doctorat maintenant et je donne des cours à Lyon 2 et à l'ENS de Lyon. Alors, en fait, pour penser à comment on parle de cette pièce d'hier soir, j'ai pensé de partager avec vous au début mon point de vue et je serais ravie d'entendre vous, le vôtre. Je me suis dit déjà peut-être que je dois voir la société dans laquelle cette pièce est produite. En fait, c'était mon point de vue plutôt pour pouvoir comprendre cette pièce. Déjà, le titre qu'on nous a donné à ce séminaire, je l'ai beaucoup aimé, « Fragments de vie en fragments dans la société iranienne contemporaine ». Et je me suis demandé, quand j'ai vu la pièce, je me suis demandé comment on peut comprendre même les paroles fragmentaires de cette pièce, avec les images encore fragmentaires d'un film inachevé. Je pense pour les comprendre, il faut regarder et comprendre l'histoire fragmentaire de la société iranienne. En fait, Azadeh Kian vous a présenté, je vais juste redire peut-être à titre très rapide, en parcourant l'histoire de la société iranienne contemporaine, on ne peut qu'être frappé par les multiples mutations et transformations sociales, politiques, économiques que le pays a vécues, et ce à un rythme exceptionnellement rapide. Donc, je parle d'une importante évolution démographique, de changements majeurs dans la structure économique et sociale, des développements et des régressions de l'activité industrielle,
des établissements financiers, commerciaux, des administrations, des services publics, ainsi que de nombreuses mutations dans le champ de pouvoir politique et les profonds et rapides renversements des anciennes hiérarchies au profit de nouvelles. Je me demande quelles sont... J'essaie de parler doucement pour... Je me demande quels sont les impacts de ces grands changements, de ces grandes transformations structurelles, ou pour le dire autrement, les effets de cette histoire accélérée, faite à la fois de rupture et aussi de la continuité, je reviens sur ce terme de continuité, sur l'individu iranien. Les ruptures, oui, on connaît déjà les ruptures politiques, les révolutions, les guerres, la guerre que l'Iran a vécue en 1980, etc., etc. Mais aussi les continuités, la présence durable du système, des systèmes politiques autoritaires et la persistance des inégalités. Les inégalités, bien sûr, économiques dont Azadeh Kian en a parlé et... Elle a beaucoup travaillé elle-même sur les inégalités sexuelles et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, toutes ces transformations ont fait la société iranienne de vivre constamment une situation d'état de crise et d'instabilité. Si on regarde seulement les crises politiques, crises collectives qui provoquent-ils des ruptures de trajectoire, influencent-ils le processus de construction sociale d'un individu? De quoi on peut parler? Des périodes de bouleversement et de chaos, moments d'héroïsme et d'héroïsation, de mélancolie, de victoire et de tragédie. Tout ça, on crée des périodes, on peut dire, extraordinaires dans la société iranienne et dans lesquelles les projets ordinaires semblent suspendus. Et il y a eu des violents déclassements ou reclassements sociaux qui s'imposent dans cette société. Les guerres, les révolutions, les changements de régime, les répressions. Mais pas seulement en Iran. Dans beaucoup d'autres pays, on voit actuellement ça. J'ai l'exemple de l'Afghanistan en tête, qui est notre pays voisin, persanophone, et donc qui a vécu voilà, l'arrivée de talibans récemment, ce qu'il a vécu. L'Iran a vécu une guerre pendant les années 80, donc ça fait, on peut dire, ça fait longtemps. Mais les traces, les blessures de cette guerre existent encore dans le corps social, dans le corps individuel et familial, en fait, partout. On peut encore voir ça. Donc, bien évidemment, comme vous, je pense, actuellement, on pense tous à l'Ukraine. Mais encore, beaucoup d'autres pays. Hier soir, je reviens dans la salle, quand j'étais située juste au fond de la salle, et au milieu de spectacle, pas au milieu, mais on peut dire... peut-être un quart d'heure passé, il y avait un groupe de spectateurs qui sont arrivés avec beaucoup de bruit, qui nous a perturbé quand même une partie qu'on était dans la salle. Et ils ont constamment continué à faire de bruit, à parler, et j'étais juste devant eux. Donc je les entendais en disant, bah, de quoi ils parlent, pourquoi ils parlent, enfin, non mais on ne comprend rien et tout. Et au bout d'un moment, je me trouvais en colère, vraiment. Je n'étais pas arrêtée à me tourner, les regarder en disant que j'avais envie de leur dire, mais écoutez, écoutez. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais on ne parle pas de même langue. Ils ne comprennent pas. Mais lisez, regardez. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de comprendre une situation, de comprendre une société, de comprendre des individus avec qui on ne partage pas la langue. Mais il faut qu'on se concentre plus, davantage, pour pouvoir comprendre. Actuellement, quand on dit que vit en Ukraine, on est vraiment perturbé avec la situation d'Ukraine. Et de nombreuses fois que j'entends autour de moi des gens qui disent « ce n'est pas au Moyen-Orient,
On dit qu'au Moyen-Orient, on a l'habitude de voir des guerres. Mais je me demande comment on peut s'habituer à la guerre. Comment on peut s'habituer à la mort. Donc, voilà. Et en fait, d'un coup, cette colère, je me suis dit, ah oui, je suis en colère contre les gens que je ne connaissais même pas derrière moi. Mais comme c'est des Iraniens, des gens du Moyen-Orient que parfois je vois sur les réseaux sociaux qui sont en ce moment en colère contre, par exemple, les Occidentaux, en disant que bah, nous aussi, hein, on a vécu des guerres. Et vu que vous dites qu'on se ressemble, qu'on nous ressemble pas à vous, qu'on se ressemble pas à vous, donc, mais essayez de nous comprendre. Et peut-être, je sais pas. Mais c'était exactement, je pense que enfin, ça a continué un peu. Et au bout d'un moment, dans la pièce aussi, donc j'avais le, comme beaucoup d'entre vous, je pense, on avait le bruit derrière nous. Mais au bout d'un moment, on a eu le bruit aussi sur la scène. Donc au bout d'un moment, on avait, avec le bruit sur la scène, on avait même du mal à entendre les comédiens. Donc on avait vu le monsieur qui a commencé à parler plus fort pour qu'on arrive à l'entendre. Et c'était là qu'on était en train de... Enfin, on essayait, en fait, je me suis... moi aussi je suis en train de me concentrer encore plus pour pouvoir l'entendre et lui de son côté essaye de parler plus fort et ça arrivait jusqu'à peut-être le moment un peu à la fin où on a commencé à mettre la scène un peu en désordre. On se demandait d'un coup qu'est-ce qui va passer, ils vont faire quoi? Ils vont mettre du feu sur la scène. Ils vont mettre ils vont tout détruire. Ils vont se détruire. Et c'était là que d'un coup, je me suis trouvée un peu penchée quelques centimètres en avant. Et les gens autour de moi aussi, même ceux qui étaient en train de regarder longtemps sur leur Instagram, en train de liker. En fait. Et là. Oui, quand on était arrivé à cette scène, la détruction, quand on a vu qu'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde a fait plus attention, j'avais l'impression. Comme si dans les médias, qu'on entend d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans l'autre bout du monde. Et d'un coup, on commence à faire attention. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben non, rien. Ils ont l'habitude. Donc ça va. Ou même, ce n'est pas seulement à l'échelle sociale, et je ne veux pas seulement critiquer les gens, les Occidentaux, non, mais l'être humain, même à l'échelle individuelle. Des fois, on voit quand quelqu'un tente de se suicider, qu'on fait d'un coup attention à cette personne, et après, même si avant, il y a beaucoup d'autres choses, et après, on peut l'oublier. Bref. Comment comprendre encore ces personnes, ces sociétés? Il faut peut-être comprendre, malgré tous les bruits, comprendre leur histoire. Il faut d'une manière connaître et suivre les violents décrochages des positions sociales. Des décrochages qui font beaucoup d'individus disloqués, déplacés, mal placés. Comme on a vu l'exemple dans la pièce. Tous les trois individus qui se présentaient sur la pièce, on les trouvait quand même, la dislocation était très présente dans ces cas-là. Je donne juste un exemple de la personne, de la femme qui rédigeait des thèses de doctorat pour les autres. Et on le payait. Et on le voyait, en fait, que cette personne, on la voyait tellement elle était disloquée. Et elle était en colère de cette dislocation. Donc, avec des ruptures encore, dans les dialogues, tac, 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 avec les bruits de sonores qu'on entendait, ça faisait référence pour moi de toutes les ruptures qu'on a vécues. Et là, voilà... Elle essayait
des fois, en fait, de montrer, c'est ce que j'appelle sa légitimité. C'est quoi la légitimité? En fait, on parle dans la sociologie de la culture légitime comme culture dominante, culture des élites. Donc, elle essayait, peut-être des fois, corrigeant des autres, la personne qui était avec elle sur téléphone, elle essayait de la corriger plusieurs fois pour montrer que, ben voilà, c'est moi qui dois être à ta place, et même à la place de ton directeur de thèse, et pas toi. Vous n'êtes pas légitime sur la place, comme c'est la question des élites en Iran. Des fois, des élites politiques, notamment, des élites économiques, des élites... dans toute l'histoire contemporaine du régime précédent ou d'aujourd'hui, on voit beaucoup de déplacements qui ont fait remonter des élites sur place qu'on ne les trouve pas forcément légitimes pour leur place. Donc c'est une guerre, c'est un combat, c'est une lutte permanente de légitimité parce que la représentation de culture n'est pas acceptée forcément partout. Alors, j'essaie de résumer un peu pour finir. Je veux dire finalement que toute cette rupture, toute cette histoire met ses traces sur l'individu, ses blessures en fait sur l'individu, sur le corps individuel, le corps social. Et c'est ainsi que l'individu en question, moi je trouve, a tendance à ne sait pas quoi faire en fait. Quand on l'écoute des fois, on trouve qu'elle traverse différents chemins, qu'il a des paroles même fragmentaires, qui essaye des fois de se détruire pour peut-être pouvoir faire une expérience encore différente, peut-être cette fois qu'il arrive. Et aussi, je voudrais aussi citer le lien avec le passé. Le passé qui est incorporé en nous, comme tout individu qui vit dans une société. Mais dans le cas de la société iranienne, et encore beaucoup d'autres sociétés qui ont vécu des changements rapides, des transformations très rapides, des passés inachevés, comme le film inachevé. On porte le poids de ces projets inachevé, de ce projet incomplet, toujours en nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quelque chose et il y a un nouveau régime qui est arrivé, donc tout était mis à côté. Enfin, ce n'est pas seulement les révolutions et les régimes, en fait, tous les changements structurels que cette société a vécu. Donc on porte tout ça. C'est ainsi qu'on est, on est tellement disloqué à la fois dans le temps. Parce que le passé est encore en nous. On ne sait pas si c'est vraiment le passé ou c'est le présent. Il est en nous et aussi disloqué dans le lieu qu'on est, dans la position sociale qu'on est. Et ça fait une sorte de désordre dans la société, oui, mais aussi à l'intérieur de l'individu. Une sorte de turbulence, une sorte d'agitation qui... Peut-être qu'on cherche des fois une sorte d'hallucination, en fait, pour trouver vraiment entre le monde réel et faux. Finalement, ce qui est fake, comme les thèses qui sont rédigées par quelqu'un d'autre, finalement, et ce qui est vraiment réel. Bref, tout ça, il développe aussi en même temps différentes sortes de résistances que je ne rentre pas dans les détails, on a déjà entendu à la fois on a vu sur la scène en fait, Azadeh Charmiri nous a présenté en fait, nous a parlé des résistances par le corps, à travers le corps, à travers le temps et aussi Azadeh Kian nous a parlé des résistances des sociale, politique, dont on est témoin depuis plusieurs décennies. Mais aussi, en tout cas, on peut dire que des conflits internes et externes qui menacent l'individu, je parle plutôt de l'individu, en fait, dans ce cas,
d'avoir une sorte de dualité psychique, une pluralité psychique finalement. Voir le déchirement, en train de vivre tout le temps, en permanence, une sorte de déchirement qui peut être mené jusqu'à une sorte même schizophrénie culturelle des fois, sociale. Les histoires individuelles dans cette société et dans beaucoup d'autres sociétés encore, au moins au Moyen-Orient, sont toujours marquées de cette histoire collective, en fait, complexe, remplie de révolutions, de guerres, de perturbations. Et dans ces conditions, vivre une pluralité, en fait, de traces à l'intérieur de l'individu n'est pas très facile. Mais l'homme, je peux dire iranien, mais vous pouvez le traduire l'homme afghan, peut-être l'homme ukrainien après cette crise, ou l'homme en tout cas, l'homme qui vit, l'homme et femme bien sûr, là je parle de l'homme dans le sens général, mais bien sûr les femmes et les hommes qui vivent dans cette situation deviennent certes souvent culturellement schizophrènes peut-être, mais il faut aussi considérer qu'il arrive en même temps, dans beaucoup de cas, à gérer cette pluralité contradictoire au quotidien. Ils doivent devenir réflexifs et se trouvent obligés de mener en permanence une tâche de recherche de soi à travers des identités synthétisées. Et c'est peut-être à travers cette tâche permanente de construction de soi à partir de différentes traces de disposition, l'appel mental et comportemental, pluriel et contradictoire qu'ils ont vécu, et de pouvoir trouver soi-même et de vivre encore, de continuer à vivre. Mais on a l'impression qu'ils ont peut-être besoin du temps, mais du repos et surtout du calme. En tout cas, la réhabilitation, comme on a vu, en fait, par la personne handicapée, n'est pas facile. Et c'est elle-même aussi, c'est un combat à faire. Merci. Bonjour. Merci, Benaz, de cet éclairage et de la manière dont tu as pu analyser cette pièce et la faire résonner avec tes propres travaux, et je pense que ça permet de comprendre peut-être d'autres éléments de la pièce et des extraits du film que on n'avait pas, comme tu dis, forcément perçu, parce qu'il faut lire, il faut regarder, c'est pas toujours facile. Azadeh Khan, est-ce que vous voulez réagir par rapport à notamment, vous aviez, quand on a discuté, moi, ce que j'ai trouvé intéressant à la fois dans la pièce et dans tout ce qui a été dit, c'est peut-être une forme de tension entre l'individuel et le collectif. Ce que vous disiez, c'est que vous avez travaillé notamment sur la question de l'individualisation et les conséquences sur les individus. Hein, donc, toute cette séance et le titre qui avait été sur la fragmentation, les vies fragmentées. Donc, comme si il y avait une forme d'exacerbation des individus. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très collectif, et notamment, j'imagine, dans la question des formes de résistance qui sont peut-être à la fois des résistances individuelles, mais aussi collectives. Et donc, je sais, est-ce que vous voulez nous parler de ça un petit peu ? Si vous voulez rapidement, parce que moi je suis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai pas vu la pièce. Hein. Moi mes références sont le texte que j'ai lu. À mes propres travaux, oui. Bien évidemment, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est-à-dire que la société iranienne, quand je dis c'est une société devenue moderne dans son ensemble, il faut aussi penser à la question d'individualisation des membres de cette société, en particulier les jeunes. Il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que quand vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, aujourd'hui, qui vont à l'université ou qui, en tout cas, sont allés à l'école, etc., qui ont issu
des familles très démunies où les parents sont souvent analphabètes dans les villages, dans les petites villes ou dans les périphéries des grandes villes, là où il y a beaucoup de migrants ruraux. Donc effectivement, cette jeunesse-là a pris énormément de pouvoir par rapport aux autorités, si vous voulez, peut-être par rapport aux parents, mais en même temps a vécu ce processus d'individualisation. Mais en même temps, j'ai un peu beaucoup travaillé sur ces problématiques-là, c'est-à-dire que la famille existe toujours. La famille joue un rôle très important encore aujourd'hui en Iran. La famille, je veux dire, surtout issue de mariage, parce que et la famille nucléaire en particulier, c'est-à-dire il ne faut pas penser que en Iran il y a plusieurs générations qui vivent sous le même toit. Non, il y a les familles qu'on appelle nucléaires, c'est-à-dire le couple avec les enfants constitue plus de 92% des familles. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, là encore, on est tout à fait dans le schéma des familles modernes, d'une société moderne. Mais les jeunes ont pris énormément de pouvoir, du fait à la fois de leur accès à l'éducation en ce qui concerne les familles démunies, et aussi cette culture qu'on appelle éducation permissive, où les parents laissent les enfants le choix et la liberté. Donc, vous avez cette éducation qui est donnée par beaucoup de parents à l'intérieur des familles. Et là, nous avons fait une enquête de terrain en Iran avec plus de 30 000 personnes dedans, donc comme échantillon. Et effectivement, ça sortait aussi clairement que les enfants sont respectés, que la vie des enfants est comptée, que les familles, y compris démunies, font tout pour répondre aux besoins de leurs enfants. Donc, c'est cette famille-là qui est un peu affaiblie, certes, mais en même temps qui fait ou constitue un rempart contre l'État et qui protège l'individu. Donc, c'est hyper complexe. Pourquoi ? Parce que, comme on a essayé d'expliquer, en Iran, vous avez un régime qui est islamique, un régime qui est répressif, en même temps un régime et ses institutions qui sont qui sont totalement, je dirais, déphasés par rapport à la majorité de la population, mais en même temps qui impose ses injonctions ou tente d'imposer sa mainmise sur la société. Et dans cette lutte, eh bien, c'est souvent les familles, surtout les familles, ma foi, des classes moyennes, qui jouent le jeu de rempart et qui protègent leurs enfants, c'est-à-dire cette jeunesse, du pouvoir. Donc, du coup, on est, à mon sens et selon mes recherches, on est dans une société où le pouvoir patriarcal au sein de la famille a été affaibli, où les enfants sont individualisés et ont pris beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité, même si économiquement, beaucoup d'entre eux dépendent de leur famille, de leurs parents, parce que il y a un taux de chômage hyper élevé en Iran, etc. Je ne veux pas vous bombarder des chiffres, mais il y a énormément de jeunes instruits, de jeunes qui sortent de l'université, à la fois des hommes, mais aussi surtout des femmes qui restent au chômage. Donc, qui s'occupe de ces jeunes-là? C'est la famille. La famille, ça veut dire les parents, parfois les grands-parents, etc. Donc, voilà un petit peu les différences qu'on peut constater entre une société que j'ai dit moderne, telle l'Iran, avec une société moderne telle la France, puisque, si vous voulez, l'État-providence n'a jamais existé en Iran, bien évidemment. Et donc, c'est la famille aussi qui joue le rôle de l'État-providence. Si vous êtes jeune, que vous voulez vous marier, que vous n'avez pas les moyens, souvent, c'est la famille qui vous aide. Ça peut être vos parents, ça peut être votre tante qui s'occupe de vous, qui vous héberge, qui vous... Bon, donc, la famille joue aussi un rôle social, économique, mais aussi culturel et etc. très et affectif, bien évidemment, très très important. Ah, et j'oubliais de vous dire que le 20 mars, c'est notre nouvel an iranien. Donc, vous pouvez désormais nous féliciter. On dit quoi? Féliciter pour le nouvel an. Nous souhaiter beaucoup de bonheur ou je ne sais quoi. Mais en tout cas,
Voilà. Et puis, Benaz a parlé en discutant de la pièce. Vous parliez, enfin, effectivement, il y a, moi j'ai vu aussi dans les écrits, il y a quelqu'un qui rédige la thèse pour les autres. Ça, c'est très répandu. Pourquoi? Parce que justement, le diplôme a pris énormément d'importance. Du coup, non seulement les gens, les jeunes, souhaitent obtenir un diplôme de master, voire de doctorat, mais sachez que même les chefs ou les hommes de pouvoir, le gars, il est ministre et il va absolument avoir un doctorat. L'autre est chef de Pastaran, gardien de la Révolution, et veut absolument avoir un doctorat. Donc, du coup, ce sont parmi, enfin, ces gens-là aussi, bien sûr, commandent leur thèse parce qu'ils n'ont ni le savoir, ni le temps de travailler réellement sur la thèse. Et j'ai plusieurs amis, collègues iraniens qui, déjà, il y a plusieurs années, me disaient, bah, il y a tel ministre ou tel général de machin qui est venu me voir pour faire son doctorat avec moi. Mais bien évidemment, ça veut dire sans réellement tout ce qui vient avec et toute l'énergie et tout le temps et tout ce qu'il faut dépenser pour obtenir un doctorat. Donc voilà, le diplôme est devenu très important dans cette société. Et donc il y en a qui font recours aux travaux des autres pour leur rédiger leur thèse. De toute façon, l'individu apprend. Par contre, l'homme iranien, non. Mais sinon, c'est une société qui est non seulement très fragmentée, mais il y a des classes sociales, des groupes sociaux, il y a des ethnicités en Iran, mais j'ai oublié d'insister là-dessus quand même, et il y a également plusieurs religions en Iran. Vous savez que, bien sûr, la religion officielle, la religion majoritaire en Iran, c'est l'islam. Au sein de l'islam, vous avez des sunnites qui sont minoritaires en Iran, contrairement aux pays arabes, et les chiites qui sont majoritaires. Et en même temps, vous avez les juifs iraniens, les chrétiens iraniens, les zoroastriens iraniens, qui est la religion avant l'islam. Vous avez aussi la religion Bahaï, qui est une religion interdite en Iran, puisque ça remonte au 19e siècle. Et selon l'islam, aucune religion ne peut exister après l'islam. Donc l'islam est considéré comme la dernière religion monothéiste. Donc voilà, les Bahaïs sont interdits en Iran et subissent énormément de répression. Mais en tout cas, c'est un pays multiethnique, multireligieux, bien sûr, avec des groupes sociaux bien évidemment, la moitié de la population constituée de femmes qui luttent aussi encore aujourd'hui pour leurs droits, je dirais, les plus élémentaires. Merci beaucoup, parce que je crois que ça va. Si on va quand même continuer un petit peu, je pense, parce qu'il y avait un autre thème qu'on pourrait aborder et qui fait directement le lien avec ce que tu viens de dire par rapport aux femmes et aux luttes que les femmes mènent, plus particulièrement parce que là on a un tableau général de la société, mais je crois que dans la conversation qu'on avait eue avant, on avait quand même évoqué des thèmes assez importants qu'on voit dans la pièce autour de justement des questions de genre, de sexualité et du corps, et peut-être qu'on peut prendre un petit moment pour que l'une et l'autre vous réagissiez par rapport à cette thématique qui apparaît dans la pièce et qui est aussi au cœur de vos travaux. Je ne sais pas si tu veux, Benaz ou... Question. Déjà, genre, vous le savez que le genre binaire a été introduit par la modernité occidentale. Et quand différentes sociétés non occidentales ont rencontré l'Occident ou ont été occupé par l'Occident, selon les cas, eh bien, la modernité occidentale, la pensée moderne, la philosophie moderne a imposé la dichotomie de genre. C'est-à-dire, voilà, il y a deux sexes et il y a deux genres, genre féminin, genre masculin, qui se construisent sur chacun des sexes. Alors même que si vous regardez un pays comme l'Iran, mais je peux dire aussi, enfin, on peut parler d'autres sociétés, avant l'avènement de la modernité, on avait d'autres genres qui ont disparu.
du fait de la pénétration, si vous voulez, de ces idées modernes. Et donc, du coup, les intellectuels modernes en Iran qui souhaitaient que l'Iran soit, entre guillemets, civilisé, c'est-à-dire s'européanisé, on a eu plus ou moins le même processus aussi en Turquie, eh bien, ont effacé les autres genres qui avaient existé dans ce pays et d'ailleurs qu'on retrouve dans la poésie iranienne, perse. Par exemple, vous lisez les grands poètes de 13e siècle, 14e siècle, etc. Et, bah, c'est clair et net qu'il n'y avait pas que deux genres, il y en avait davantage, mais qui ont été effacés. Et par exemple, l'homosexualité qui existait auparavant a été considérée, on ne disait pas homosexualité, l'homo n'existait pas, mais a été considérée comme une arriération. À la fois en Occident, mais aussi dans les pays devenus donc modernes. De ce fait, les corps ont changé par rapport à ça. Par exemple, sachez qu'en Iran, par exemple, si vous regardez parfois les tableaux, c'est clair, les femmes, qu'on appelle les femmes de harem des shahs d'Iran, jusqu'au quasiment 19e siècle, hein, un petit peu avant, étaient moustachus. En revanche, les hommes n'avaient pas de barbe. Donc, vous voyez un peu... Je vous renvoie, moi, quand à chaque fois que je parle de ça, je renvoie à la couverture de livres de Judith Butler, Troubles dans le genre, non pas la version française, mais la version originale. Donc, effectivement, c'était très difficile, si vous regardez la peinture de l'époque Qajar, qui est une dynastie qui a régné l'Iran au 18e jusqu'au 20e siècle, hein, début 20e, c'est très difficile de distinguer entre qui est homme et qui est femme. D'accord ? Donc, parce que ça n'existait pas, et c'est la modernité qui a imposé masculinité, féminité, homme, femme, sexe masculin, sexe féminin, etc., etc. Et bien, les autres ont été effacés. Donc, ça déjà. Et du coup, les corps qui sont construits, sachez-le aussi, enfin, selon nous, en tout cas, selon la littérature sur le genre, les corps sont construits aussi. Ça n'est pas parce que vous avez un sexe féminin ou un sexe masculin que vous avez un corps. Comme ça, les corps aussi sont construits et donc à travers la socialisation, à travers une construction qu'on appelle sociale, bien évidemment. Donc tout ça, on peut le voir clairement quand on étudie de près les histoires de différentes sociétés. Autre chose, c'est que selon, moi je ne suis pas historienne, mais j'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup d'histoires. De bouquins d'histoire. Dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, on pense que le voile a toujours existé, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, ça aussi, lorsque les Français, les Britanniques ont occupé une bonne partie du Moyen-Orient, les femmes de ces pays-là, y compris en Algérie, hein, il y avait beaucoup d'Algériennes qui ne portaient pas le haïk, le voile traditionnel en Algérie, et qui l'ont réadopté en guise de protestation contre l'invasion occidentale ou l'occupation de l'Occident. Et donc, vous voyez, donc il faut que tout ça soit pris en compte. Et à quel moment est-ce que le voile devient un symbole religieux ? Et à quel moment ce n'était qu'un symbole culturel ? Et à quel moment et selon qui le religieux et le culturel ont été fusionnés. Tout ça, bien évidemment, c'est la littérature postcoloniale qui les analyse avec un regard critique parce que ce sont les orientalistes occidentaux qui ont fait tous ces amalgames-là, si vous voulez. Il y a tout ça aussi, la société, comme disait Benaz, la société iranienne, contemporaine. Pour moi, contemporain commence au 19e siècle, a été traversée par l'ensemble de ces changements, de ces crises,
de ces ruptures, mais aussi souvent de la continuité. Moi, je ne vois pas de rupture. Même la révolution islamique de 1979, pour moi, n'est pas une rupture, c'est la continuité. Pourquoi ? Parce que l'État est là. L'État n'a pas... Les chefs ont été changés, mais l'État est resté. Les structures sont restées. Raison pour laquelle, le lendemain de la révolution, moi, je me rappelle très bien, parce que toi, tu étais petite, mais moi, j'ai vécu tout ça. J'ai participé à la... Ouais, tu étais... Bah, tiens. Non, mais j'ai participé à la révolution. J'ai participé à la révolution et c'est intéressant parce qu'on voyait que, bah, zout alors, tout est là. Il n'y a que les gens, enfin, les hommes à sa tête qui ont changé. Voilà. Il y a tout ça aussi à ne pas oublier. Donc, changement, ce que j'appellerais changement dans la continuité. Voilà, en ce qui concerne, en tout cas, les structures et les institutions. Mais aujourd'hui, vous avez des mollahs, des islamistes à leur tête. Et paradoxalement, avant la révolution, il y avait un souverain hyper qui se voulait moderne. Aujourd'hui, vous avez des mollahs qui réfléchissent et pensent pour souvent, enfin, dont leurs références datent d'il y a quelques siècles quand même, alors même que la société est une société qui n'a strictement rien à voir avec même la société dans laquelle moi j'ai grandi, il y a deux, trois ans de ça, je ne vous dis pas quoi. Voilà, donc je ne sais pas si tu es d'accord pour dire qu'il s'agit d'une continuité, changement dans la continuité plutôt que... Non, parce que je dis... Absolument, les inégalités. Absolument. La dictature, voilà, l'autoritarisme et les luttes qui continuent aussi. Madame Elisabeth, vous êtes satisfaite ? Je suis très satisfaite. Est-ce que tu voulais rajouter un mot sur ou tout à l'heure ? Donc après cette première phase où on a pu recontextualiser la pièce et avoir des éclairages très, très riches et sur ce qu'on a pu voir hier soir et plus largement sur la vie en Iran, je vous propose qu'on prenne maintenant des questions qui peuvent s'adresser à Azadeh ou à Benaz ou à Azadeh. Et hier, on disait... par rapport au Congo et au Cameroun, que pour critiquer le gouvernement, il fallait avoir un pied en dehors. Est-ce que c'est pareil pour l'Iran ? Moi, je ne veux plus en Iran, je veux plus aller en Iran, donc je peux répondre, mais par respect, j'ai sollicité Benaz. Mais si tu... Ça dépend de ce que vous appelez critiquer. En Iran, il y a énormément de critiques qui sont formulées par les Iraniens de l'Iran, et je vous assure que quand je faisais mes travaux de terrain en Iran, j'avais peur, moi, parce que j'habitais à l'étranger, je ne pouvais pas m'exposer à des risques. Et les gens ouvraient leur bouche et disaient tout ce qu'ils voulaient dire contre le régime et contre le guide même, c'est-à-dire la personne vraiment la plus importante. Donc, on ne peut pas dire que les Iraniens ont peur. Ça, c'est les Iraniens lambda. Après, vous avez un certain nombre d'intellectuels qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils écrivent, dès qu'ils s'expriment, etc., sont emprisonnés. Hein. Les milliers de personnes qui sont emprisonnées sont qui ? Ce sont ces opposants-là qui, parce que influents, eh bien, on les arrête et on les emprisonne. On ne peut pas emprisonner la majorité des 83 millions d'Iraniens. Mais tel que je connais cette société, il y a d'ailleurs, on le sait, il suffit de regarder la dernière présidentielle. Le taux de participation était hyper bas, historiquement le plus bas. Et si vous regardez le nombre des gens qui ont voté qui ont voté blanc pour dire non seulement non, parce qu'il y a l'abstention, 52% d'abstention, mais il y a 4 millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes juste pour dire on... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, les gens n'ont pas peur. Ce sont les intellectuels qui n'ont pas peur non plus. Mais pour critiquer, il faut faire attention, sinon c'est la prison. Voilà, c'est un régime de plus en plus répressif. Je peux juste ajouter quelque chose. En fait, en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il y a énormément de travaux de recherche très, très riches
qui sont faits actuellement à l'intérieur de l'Iran. Donc, il ne faut pas vraiment ignorer ça. Il ne faut pas penser que ce sont des gens à l'étranger, comme nous, qui font des recherches les plus riches. Non, moi, j'allais dire que c'est vraiment, les travaux sont là. Et les gens, oui, ils risquent des fois, mais quand même, voilà, à la fois dans les médias, parfois. Après, ça dépend vraiment des périodes, mais des critiques, des recherches. L'université est un lieu de combat, des fois, que les étudiants continuent à lutter à côté de leurs profs. Pas tout le monde, mais il y a une bonne partie qui font ça aussi. Certes, mais après, il ne faut pas oublier la question de censure, parce que là, on parle des artistes, on parle de la créativité, de la création. Quand vous êtes cinéaste, comme par exemple le dernier film de Merjoui qui a été encore interdit en Iran, Dolj Merjoui, hein, qui est un grand cinéaste iranien de l'Iran, son dernier film est interdit. Et donc lui, il dit carrément venez me tuer parce que vous ne me laissez pas m'exprimer. La censure des livres, des pièces, etc., etc., ça veut dire qu'ils font tout pour que cette société ne puisse pas se créer, ne puisse pas se recréer, etc. Et pourtant, les gens le font parce que ça se fait, par exemple, il y a des pièces de théâtre qui vont sur la scène en clandestinité. Il y a des films qui sont faits, nous on les voit à l'étranger, les Iraniens de l'Iran ne peuvent pas aller au cinéma les voir. Et j'en passe et d'autres, voilà. Donc, Encore, pardon, un tout petit point, pour revenir sur la pièce d'hier soir. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué que les actrices, les comédiennes, elles avaient, on dit que, enfin, dans la pièce, on ne dit qu'on ne dit pas des actrices, on dit acteurs. Mais elles avaient leurs cheveux couverts, les cheveux couverts. Parce que, justement, il y a les questions, parce qu'elles vont sans doute rentrer en Iran. Et donc, elles ont essayé de faire d'une manière que, de loin, des fois, on ne voyait pas très bien si ce sont les vrais cheveux ou si sont couverts. C'est un foulard qui était fermé d'une manière que... Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi, vous avez peut-être, vous connaissez peut-être le cinéma iranien aussi, qui est quand même un cinéma assez riche. Et là, c'est l'art de comment parler, de comment faire comprendre les autres malgré les censures. Et par exemple, dans les pièces de théâtre, dans les cinémas aussi, voilà, on ne peut pas montrer des scènes de l'amour, beaucoup, beaucoup de choses interdites. Mais quand même, les cinéastes, les artistes, différents sortes d'art, ils essayent d'une manière ou l'autre de trouver une solution pour passer leurs paroles. One of our invited researchers has said that your performance was a kind of subtle resistance. Do you agree with that? And if yes, resistance against what? Or how do you see it? Yes, I think that any act of creation is a kind of act of resistance. When you have difficulties, you face difficulties for making a piece or create a piece of art. But I don't consider resistance as a revolutionary act. It can happen in everyday life in a very tiny little scale. And the resistance that in the piece that I find is what the three characters, the three performers, are dealing with. And also the film itself, the unfinished film that is resisting to be finished in a way. That the film doesn't want to be part of a perfect world of art. And one of the performers is challenging with her body, which is transforming,
but she doesn't know to what. Or, you know, this is a very, very short and rough storyline about her. I think it has other layers. She has other layers, of course. And the other performer is challenging with the concept of time and how she can grab time and make this immaterial thing material for herself, to how to experiment time, or how to experience being in different times. And the other one, the person who is in a closed space, is challenging the place and space while being in isolation. So what I understand from what you just said, it is also that your approach of resistance is very much linked to freedom, no? And to the notion of being free and... Yes, absolutely. Having freedom everywhere, even in tiny spaces, and even in tiny spaces, even in in very personal way. Now, and also it has, of course, it has societal aspects and also political aspects, of course. Oui, je veux bien votre regard aussi sur ces questions de liberté ordinaire ou de... Non, je voudrais juste, en vous écoutant, en écoutant Azadeh, je pensais à Saba Mahmoud, Politics of Piety, son livre. Alors, Saba Mahmoud était une étudiante de Judith Butler. Malheureusement, elle est décédée, Saba. Mais elle a écrit ce livre. Je pense que sa définition de ce qu'on appelle agentivité, parce qu'on ne peut pas être agent ou agency sans cette notion de qu'est-ce qu'on entend par résistance par rapport à l'assujettissement de Foucault, quoi. Et donc Saba Mahmoud est plus proche, je me semble-t-il, de Foucault que de Butler, par exemple, ou d'autres. Pardon, je vous interromps. Est-ce que vous pourriez juste peut-être en trois mots nous éclairer juste un tout petit peu sur ces références? Pour aller très rapidement, la notion de pouvoir chez Foucault, c'est pas la notion de pouvoir à la Weber, Max Weber ou d'autres. Il n'y a pas, selon Foucault, un pouvoir qui réside en dehors de nous et sur nos têtes et qui se légitime, selon Weber, de différentes façons. Alors, légitimité bureaucratique, légitimité charismatique, légitimité traditionnelle, selon les sociétés, les périodes, etc. Foucault pense que le pouvoir nous assujettit, certes, mais nous donne aussi les moyens de résister. Et donc, la notion de résistance et d'agentivité chez Foucault, c'est lié à cette notion de pouvoir qui serait non pas aux mains d'un groupe, mais de tout le monde. Et d'ailleurs, Deleuze le dit aussi. Et raison pour laquelle, si vous regardez la littérature subalterne, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que les pauvres peuvent exercer du pouvoir ou non? A priori, on peut dire non, les pauvres sont démunis, n'ont pas de pouvoir politique, ni économique, ni social. Alors que selon cette perception de Foucault et aussi de Deleuze, si. Et moi, dans mes travaux sur les femmes subalternes, j'essaie de le montrer que si, on peut être subalterne, pauvre, femme, tout ce que vous voudrez, mais être aussi source de pouvoir. Et donc, je pense que dans les textes que j'ai lus de vous, c'est cette notion-là qui traverse le texte. Là encore, c'est mon interprétation, mais on est payé pour interpréter aussi. Hein. Attention. Donc, voilà, je ne sais pas si c'était clair. I wanted to know
who are your characters based on, and also who did you write this piece for? I think the characters are a combination of some people, not based on one particular person that I know. And I think part of them is based on myself. For example, in the, I remember that during the rehearsal, the performer who was the researcher that talking on phone, and my performer said that, because my performer used to be also my student at university, and she said that I'm trying to speak like you, because in Farsi apparently she says that you speak in a cold expression, and she said that I find some aspects of these characters in you when you were lecturing us. And so yeah, it can, I think it is of course part of me and part of my friends, part of the people that I know, and some of them that I was witnessing their suffering. And for who I write, I hope that it is not very egoistic to say I write as you were talking about, I write for resistance and to survive, to somehow to handle, and as sometimes it's like a therapy that you just write to express what the way, and to somehow make it easier for you to manage this heaviness and this weight of the space you're living in. But of course, I like to communicate with people. I don't want to communicate with myself, like auto-communication happens, of course, during writing and making and creating. But I always, you know, one of the important things for me in theater is this communication between people, like the people that present something and the people who come somewhere to sit together in a space under one roof to see something. I think this is very essential, and it's very beautiful, and it has many, it has a lot of sense, especially after COVID, when people when people choose where to go, and they choose to go to theater to sit somewhere in silence in about 2 hours, and to see a show that they don't know the language, but they resist, and they read through the surtitles. It's like making an effort to understand, or to try to understand another people through in other cultures. I always think about how the audience resonates with this piece, and I like to really hear about them. I remember that in Vienna, this piece was premiered in Vienna in June last year, and one of the audience asked, "Why didn't you want to communicate with the audience?" And I was really shocked, because I thought that this piece is very open, from my point of view, for the audience to make their own personal relationship with the piece, because it doesn't give you a linear story, or doesn't give you a certain interpretation or point of view to look at them. You have different and numbers of points that you can look at, even, and you can
you know, for Farsi speaking audience, you can hear to someone and but looking at someone else. I hope that for the audience here also, this piece was open. I tried to be like that. Donc, elle a commencé par répondre à vos deux questions. Vous l'avez écrit pour qui et qui sont les acteurs. Et elle a tout de suite, Azad, elle a commencé à parler de son. Vous vous souvenez du personnage qui joue le. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle représente exactement, c'est mais qui écrit les thèses pour les autres. Et c'était basé sur ses propres expériences à elle. Comment dire la comédienne était un ex-élève d'Azad qui enseignait à la fac. Et la comédienne, elle a trouvé la manière dont elle parlait Azad quand elle enseignait. Ça, il y avait une sorte de froideur, hein, une sorte de ton académique qu'elle adoptait quand elle parlait. Elle voulait. Elle s'en était servie de ça. Donc ça vous donne une bonne idée de d'où vient la source de l'inspiration pour une partie des personnages. Et ouais, après ça, elle parlait de qu'est-ce que pour Azad, juste le fait d'écrire, c'est un acte de résistance parce que ça force à aller jusqu'au bout de la chose et de se concentrer, etc. Il y a un côté dans le contexte de l'Iran, il y a un côté thérapeutique de ça. C'est un acte de résistance. On n'est pas obligé d'aller faire la révolution pour résister. Ça, c'est ce qu'a dit Azad. Et après ça, elle a parlé de ce que, pour elle, c'était important, l'idée de qu'est-ce que c'est le théâtre, surtout dans le contexte post-Covid, qu'on vient ensemble sous le même toit pendant 2 heures pour regarder quelque chose avec lequel, dans l'occurrence, hier, c'était pas notre langue, etc. Et que c'était une sorte de. Déjà, c'est encore une fois une sorte d'acte de résistance ou de. C'est une sorte de. Ouais, c'est pas anodin, passer 2 heures à peut-être ne rien comprendre. C'est un effort. Et après ça, elle a évoqué un moment quand elle a fait la pièce. La pièce a joué à Vienne et quelqu'un du public a dit Why don't you want to communicate with the audience? Pourquoi vous n'avez pas envie de communiquer avec l'audience? Elle était choquée. Azad, parce que la manière dont elle a construit la pièce, avec ses trois histoires qui s'entrecroisent pas vraiment, elle a laissé tout ouverte. Et elle a trouvé que cette ouverture, c'était une manière de donner une porte d'entrée pour le public, pour qu'ils puissent faire leur propre chemin à l'intérieur de la pièce. Hello. The staging is very sober. There's a lot of silences in the piece. The movements of the bodies are very soft. But finally, at the end, there's all this movement, the furniture that are moved, the screen that is teared apart, smoke and everything. Could you tell us a bit more about the end of that piece, about the emotion that made you wrote that? To be honest, the first image was the last image for me to create this piece. And I had this, I was sure that this would be the ending. Not exactly what you saw, but I knew that a kind of subversion happens at the end. And we worked on the process of how to start to end, like to end with this image. All the movements and very tiny, even tiny moves and the tones of the performers, they were very much carefully planned and designed and rehearsed. And the light designer is here, if you have
questions about the old scenery with the lights that I think is very, I really appreciate that because you know, it has many dimensions and I'm sure that you can only see the changes of the light and the whole piece has would be meaningful for you if you pay attention to the changes of the light. It has its own personality, I think, and it has also it has works to do with the film, the style of the film. You see the approaches and the similarity in approaches in the camera movements and lights in the film, and also the lights on stage, the shadows and the darkness and lights. This softness that it starts from the beginning and this rhythm and tempo of the whole piece for me needed to be subverted at the end. Somehow, if you remember, performers were talking about their dreams, not very vividly, but you could see that, for example, the performer in the middle likes to make something like a rhythmic piece, and at the end you probably see her dream coming true. But it's and the other performer that in isolation, he talks about an installation that he wanted to make, but it never happened. And at the end, you see him making an installation with the broken objects and upside down sort of sketches. Yeah, did I answer? Yeah. Et que la fin, c'était forcément pour elle. Elle l'avait prévu un peu depuis le début de la pièce. Il fallait que la fin soit un acte de subversion. Et tous les mouvements très précis et très chronométrés, et aussi très doux, les déplacements, etc., des comédiens, c'était quelque chose qu'elle a, encore une fois, qui a été prévu dès le début. Après ça, elle a parlé de la... Tout ce qui est la conception des lumières, etc. Il y a la personne qui s'est occupée de ça, ou le régisseur pour la lumière. Et Azad, entre les deux, ils se sont mis d'accord pour que chaque changement de lumière, ça représentait des différentes scènes dans la pièce, ou plus que des scènes, mais des choses qui se passent dans la pièce. Ico, je ne sais pas si vous étiez rendu compte, mais en regardant le film en même temps, ça reprenait parfois les cadrages et l'utilisation de la lumière et aussi de l'ombre. Et je pense peut-être la fumée qu'on trouvait dans le film. Ça c'est important. Elle a fini par parler de l'importance des rêves des trois personnages. Quand on voit le personnage du milieu, elle a toujours ce rêve de jouer de la musique, faire quelque chose avec un rythme. Mais à la fin, on comprend qu'en fait, ce désir de faire du rythme, ça s'est traduit en faire de la musique. Et on la voit faire de la musique. Et le monsieur ou le comédien qui est visiblement en prison, à la fin, il rêve de construire, il a toujours rêvé de construire quelque chose, et à la fin il le fait avec les meubles tout empilés les uns sur les autres, donc c'est les rêves qui se réalisent. You end by saying that you have the idea of the end, which is in a way a kind of the dreams or the aspirations of the different people, which are not only people but images of people, come true. It's quite positive or optimistic. And through the performance and the play, there are lots of moments which are quite pessimistic or a bit sad, when you talk about lots of suicide.
So what is the balance between these views where the people express explicitly about, talk about suicide, but then did you want to end with something that could be more optimistic at the end? Is it intentional? Yeah, I should elaborate on coming through in theater, which is really happening. It has I think it's like irony that the dreams coming through theatrically, which means it doesn't happen and it doesn't come true. At the same time that I was creating with the help of the performers, of course, and the dramaturge, that how we can make this dystopia happen at the end. I mean, this, or how shift from a dystopic quality to another dystopic quality. It's not, both of them are, I mean, the whole piece and the last scene, they are all together, that they can be interpreted as positive or optimist or pessimist. I don't think that they are in two different dimension or in two different context. I see them as connectivity, as a connection, continuity. They are not separate from each other for me. The performers during the piece, they were somehow interfering to each other's spaces and entering to each other's spaces very very slightly, but at the end they worked together and they made this world together. I wanted to say something that I just forgot. Yeah. The ending for me is important because the important image, because they are in each other's dreams in a way. If we consider this last scene a scene of dream coming true, and somehow the unity of these three characters or four with the film, and also the objects. I think we chose the objects with a lot of care, the colors and the texture materials, and they are the items that the performer works with them. So I think that the last scene is also the unity of human and non-human. For me, it can be pessimistic or optimistic, both, either, yeah. Le fait qu'un rêve se réalise dans le théâtre, c'est pas la même chose qu'un rêve qui se réalise dans la vie, parce que c'est forcément pas vrai, parce que c'est sur un plateau de théâtre. Avec les autres comédiens, elle a parlé de comment amener cette dystopie au plateau. Pour Azad, le négatif et le positif, c'est pas forcément deux choses séparées. Il y a une sorte de continuité entre les deux. Les performeurs pendant la pièce, de manière subtile, ils se sont rapprochés des espaces personnels des uns des autres. Et à la fin, ils figurent dans les rêves des uns des autres. Donc pour Azad, dans la dernière scène, il y a une espèce d'unité entre les deux mondes de l'humain et de non-humain. Just very, very quick. Rapidement, par rapport à la question de suicide qui revient dans la pièce et que j'ai lu aussi dans les textes. Je voulais juste dire que par rapport à notre discussion de agentivité, résistance, pour moi, je suis pas en train de vous proposer de vous suicider, hein, loin de là, mais la décision de oui ou non, ou si on souhaite
de mettre fin à sa vie, c'est une liberté qu'on revendique une résistance contre, par exemple, un régime religieux qui non seulement décide pour comment vous devez vivre, mais aussi décider de vous n'avez pas le droit de mettre fin à votre vie. Vous voyez de quoi je parle. Et on est aussi en plein dans la discussion en Europe, en France, sur la fin de vie. La position de l'Église catholique n'est pas loin de la position des ayatollahs iraniens, par exemple. Le film de Kiarostami, le chef-d'œuvre de Kiarostami, qui a obtenu le prix du Festival de Cannes il y a quelques années, qui s'appelle « Le goût de la cerise », porte sur justement un gars iranien qui décide de se suicider. Quand moi j'ai vu la discussion sur le suicide dans le texte, je me dis ça fait partie aussi d'une stratégie de résistance, de dire voilà, moi je discute de ça, voire même je vais décider de le faire, et c'est une proclamation aussi de la liberté de choix qui m'appartient à moi. En tant qu'individu libre et non pas à vous qui décidez pour moi de ce que je dois devenir, quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ma lecture, mais là encore, mon interprétation, mais je pense que c'est important. C'est comme ça que, en tout cas, this is how I understood the way you kind of talk about suicide in the text I read. The fact that in a country like Iran, where the Islamic regime forbids suicide because it's anti-Islamic, and some people who kind of think about whether they want to or not to put an end to their life, and saying this is my life and it is up to me to decide whether I want to continue it or not. And then I talk about Kiarostami's Tame Gilas, which I love. I think this is one of his best films, where the question of suicide has been brought about by Kiarostami. I don't know whether you agree or not, but to me, this is also related to agency, to resistance, to freedom of thought, to and decision making and stuff. Okay. Thank you. So the Kian. Yes, I totally agree, and I just wanted to say that this character is telling that repeatedly that I'm not making I'm not committing suicide. I'm just experimenting my body's resistance, mm-hmm. And when she goes to the level of being close to death, she herself calls the ambulance, for example, or she makes some efforts not to die, but to be close to die and come back to life. This person, actually, I was inspired by a memory that Sarah Kane talks about. She's one of the playwrights that I admire. She's a British playwright. In an interview, she says that she was hospitalized for some while, and she saw a man that was coming to the hospital time to time, and putting himself in a condition of making suicide. But he didn't want to die. He just wanted to experience closeness to die, and coming back to life to appreciate life. And it was for me was really inspiring that you find yourself more meaningful when you are close to darkness, and then if we interpret death as darkness, and then coming back to life to continue and survive. Elle est d'accord avec ce qu'elle dit à Zadé.
et que elle pour Azad, j'imagine pour vous c'était clair que le personnage du milieu, elle souhaite pas se suicider, elle souhaite juste s'affronter à qu'est-ce que c'est être proche de la fin de sa vie ou se suicider. Et ensuite elle a parlé de l'auteur de théâtre Sarah Ken qui s'est suicidée elle-même, mais elle a, avant qu'elle se suicide, elle parle de ses expériences quand elle était à l'hôpital. Pendant ses séjours à l'hôpital, elle regardait un homme qui, à maintes reprises, avait essayé de se suicider, mais c'était pour la même raison. Il voulait juste amener plus de sens dans sa vie en s'affrontant à la mort au plus près possible. J'ai juste une question à Azadeh et peut-être les autres membres de l'équipe qui sont là avec nous. Je voudrais savoir, en fait, si on peut interpréter finalement voilà, la question que je me suis posée avec cette histoire de se suicider ou pas, juste l'expérience. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme le fait qu'on veut... Moi, je l'ai vu un peu comme ça, qu'on veut un peu détruire tout, jusqu'à même, mais pas complètement détruire, comme s'il y a un bâtiment qu'on veut le détruire et le refaire de nouveau, l'histoire avec le passé dont j'ai parlé aussi. Donc, peut-être, on ne sait pas, enfin, c'est nous, enfin, l'autre comédien qui disait, c'est moi qui décide pour toi le film. Mais en même temps, elle n'était pas sûre si elle voulait le détruire. Donc, c'était le passé. Elle essayait en même temps d'imiter même les gestes du passé. Donc, d'une manière, elle voulait refaire le passé. Et d'une autre manière, avec l'autre actrice, des fois, on se demandait que peut-être, non, écraser tout et refaire tout, mais pas mourir. Just faire cette expérience. Yes, I should say that I really would like to hear the interpretations and what you saw and what you found in the piece. For me, I didn't have like a specific like message or written comment or anything in mind. For me also was like a exploration of the potentiality of this togetherness of smoke and video and the material of the screen and bodies, performers as body, present bodies and the objects and lights, darkness. It can be interpreted as another world. Is it after death? Is it dream coming true, or is it a look to the future by changing the past, but like making an effort to change the past? Of course, it's all these ideas, I think, resonate with the work. Yeah. Thank you. Oui, donc Azad, elle est toujours intéressée par les interprétations des uns et des autres. Elle n'avait pas vraiment de message spécifique par rapport à l'image de fin, mais elle voulait que, avec toutes les différents éléments qu'on voit, la fumée, les corps, les meubles et l'écran déchiré, elle voulait que vous posiez la question, est-ce que c'est un autre monde? Est-ce que c'est la mort? Ou est-ce que c'est un passé qui a été réinventé. It's more that I would like to react about what you said earlier about communication, because I have to say that I kind of agree with what the woman said in Vienna, that I felt I couldn't communicate with what was happening on stage. It felt very distant. So I would like to, and also what you said about the language that we had to read. So it was very difficult for me like to really get like the whole impression of it. And so I would like to know if you thought that play as a universal play or like Iranian play, and how do you had in mind how people could communicate with the actors on stage? Can you explicit this, please?
First of all, I don't divide Iranian plays and universal or international plays or productions. And I think it's if the artists think about the and categorize the audience, it brings up more, I don't know, more challenges. I'm not thinking like that or looking at the at theater like that. I think theater itself has its own language that can work in different contexts, but at the same time, sometimes the verbal language helps. And if you don't know the verbal language, the spoken language on stage, the other elements become more effective. I agree with you that it's difficult to read long lines. And I hope that we can find a way to tackle this obstacle, because it's everywhere. Like when a piece from France comes to Iran, for example, we have to read all this, but I think it's part of the theater experience these days. When the piece is text based, we don't have. In Estonia, I went to a theater that they created. They were trying to create another ways of giving translation, and they were giving a tablet to the spectators to make it easier, like not to read from them to read. But anyway, you have to look somewhere else. I'm aware of that, but I don't think that the way to make it more easier for the audience is to write shorter sentences or to make physical works, because we know that in Europe people don't speak Farsi, so let's make some works that doesn't need this knowledge of language. And about the distance, yes, I agree with you. I think that this work is trying to distance itself visually from the audience, and specifically in this venue, we didn't have that intimacy, a very large space, and I think that maybe it could work. Of course, I'm sure that that each theater works in different way in different spaces with different scale, and the fact that you were looking from above. And at the same time you had a long distance. It was making the distance double. Everything happens in long shot, and it was a decision of this piece to show you everything. When a performer is off, doesn't leave the space, because in real life, sometimes we are off, just sitting somewhere and thinking or looking at something, reading, and sharing these moments of silence and stillness was part of this whole everyday life of these people. For me, it doesn't mean to showing you the silence of the body or the stillness of the body doesn't mean that there is no move. Or there is no, how can I say, in English. I had this discussion with we have this discussion in the rehearsal, that is it needed to be on stage when we don't talk, when we don't speak, and. I think that when you are there, you have agency, even if you are silent and you are still, and it can be transmitted to the audience if we are
successful to engage you. That this stillness has its own energy. Donc pour Azad, il n'y a pas de division entre le. Elle conçoit pas de division entre une pièce de théâtre qui a été faite pour un public iranien ou un public ou une pièce de théâtre universaliste. Donc il n'y a pas de distinction pour elle parce que le théâtre a son propre langage qui aide dans le contexte dans lequel la pièce elle a été jouée. Oui, elle parle notamment du le fait que vous parlez, j'imagine la plupart d'entre vous, vous ne parlez pas farsi. Il y a les autres éléments du théâtre normal, la scénographie, les déplacements, etc., qui sont là pour renforcer l'action qui se déroule pendant la pièce. Et que pour elle voulait surtout pas, ou beaucoup de pièces de théâtre qui viennent de l'étranger cherchent toujours un meilleur moyen d'intégrer les sous-titres dans ce que le public voit. Elle parle de l'exemple avec en Estonie, ils avaient donné des sortes de tablettes au public. Mais pour Azad, l'important pour elle, c'est qu'elle elle veut pas simplifier les choses. Elle peut pas faire, pour elle, c'est pas une bonne manière de procéder, de faire des phrases plus courtes ou d'avoir des pièces de théâtre qui sont uniquement physiques. Elle dit non, c'est pas comme ça qu'elle veut procéder. Et que cette distance que dans la personne qui a posé la question de qu'elle parle, pour elle, c'était important jusqu'à certains points de maintenir cette distance. Mais en même temps, hier, c'était une salle assez grande. Et le fait qu'il y avait c'est long, mais aussi c'est haut, ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Mais à la fin, elle a parlé des moments quand les personnages sont off, mais on les voit, et elle compare ça avec la vraie vie, c'est-à-dire que quand on va aller dans la cuisine pour regarder le mode d'emploi d'un paquet de céréales, on est quand même là. Il y a peu de moments dans la vraie vie où on disparaît. Et elle voulait trouver, avec ses comédiens, elle voulait trouver le moyen de trouver ça sur le plateau. Donc c'est ce sorte de... Quand les personnages, ils sont très... On dirait qu'ils sont figés, c'est pas figé pour être figé, mais c'est uniquement parce que parfois dans la vraie vie, on est un peu figé aussi. Hi, you talked about the relation between human and non-human, but having a hard time grasping this notion of non-human. What do you mean by it? Because I looked at the film as a non-human, like this this object of the frame that you see on the certain screen, and also the thing that is projected. The film, a piece of music or a piece of film, they are not, they don't have materiality, but they can be very much effective and expressive, and they can touch, and they can have influence and have all this, and to somehow. It can work with your senses, why they don't touch you, physically. So they are not physical, and also they are not live in a way, they don't breathe like animals and humans. And at the same time, I have objects there, and the paper that you see and you hear the noises and the sound of the papers, what is written, the memory that is written, can be kept and archived. Otherwise, we lose them. These elements for me are the examples of non-human. But the general definition, I think, is deeper than this. I have the feeling you're talking about something intangible, maybe, also, no? Like tangible and intangible would be maybe closer to what we could understand, or? Yes.
Alors, moi, de mon point de vue, en fait, ce qu'on appelle humain-non-humain, pour moi, remonte là encore à la modernité, c'est-à-dire le fait que l'homme moderne, entre guillemets, doit maîtriser quoi ? Maîtriser la nature. Donc la nature et tout ce qui fait partie de la nature doit être à la disposition de nous. Voilà, être moderne, si vous voulez. Donc, d'où cette distanciation et cette entre nous, êtres humains, et la nature. Et donc ça a été mis en question, comme vous le savez, notamment par les écologistes, enfin toute la littérature sur l'environnement, sur l'écologie, mais aussi beaucoup de féministes, ou aussi Bruno Latour, hein, qui a beaucoup écrit aussi sur ces questions-là. Et en fait, il y a une sociologue que j'aimerais quand même citer, c'est Delphine Gardet, qui a écrit un bel ouvrage où effectivement, même des objets qu'on produit sont non seulement nos extensions. Donc, du coup, sont des extensions de l'humanité, mais ont un impact sur nous, sur nos sociétés, sur la division, par exemple, du travail, etc., etc. Donc il n'y a pas de division entre humain et non humain, quoi, dans ce sens. Même les objets qui sont là ont une vie et nous influencent. Et l'influence est réciproque, en tout cas. Donc là, c'est une nouvelle façon de voir le monde et qui a beaucoup participé aussi à des politiques actuelles de la protection de l'environnement, etc. Donc, je pense que c'est, pour un petit peu, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai lu le texte et là encore je pense que c'est human, non-human, et aussi parce que ce matin you did mention Bruno Latour, so I think that this is also how she understands human and non-human, that everything has a life, everything is human in a way, or extension of our humanity, and that we should not make a distinction between us humans and non-humans because of this reciprocal influence that objects that we create have on us. And alors après, Delphine Gardet va très loin, hein, je veux dire, je ne veux pas entrer dans les détails, mais bien évidemment, l'impact, par exemple, d'un objet qu'on a créé comme la machine à écrire, hein, sur la division sexuelle du travail, par exemple, n'est-ce pas? Voilà, et j'en passais d'autres. Donc, vous voyez que c'est pas, il n'y a pas une frontière entre nous et les objets. Merci beaucoup. Je pense qu'on va. Merci pour toutes. Merci surtout à vous, donc à Azadeh, à notre ami qui a traduit, Benaz, et à Azadeh pour vos éclairages. Et puis, je pense que ça nous a vraiment permis de peut-être mieux comprendre la pièce, ou en tout cas de recontextualiser. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, merci pour votre participation, vos questions. Et merci à tous.